bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 4 Separate Ways, évidemment. Donc, on retrouve notre belle Ada qui est quand même magnifique, il faut le dire, et notre vendeur préféré pour la suite avec l'épisode 7. Comme d'habitude, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Ça fait toujours plaisir et je viens récupérer mes 7 spinels. Ça peut être incroyable. Alors, en parlant d'incroyable, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette spinel? C'est énorme, cette spinel. On peut changer la couleur de la mallette, pourquoi pas, mais je sais pas ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser déjà, c'est une petite clé. Pourquoi? Parce que à l'arrière, on avait tout simplement laissé un petit tiroir qui n'était ouvrable qu'avec une clé, justement. Et je me dis que dans ce tiroir, il doit y avoir quand même une petite dinguerie, je pense. En tout cas, j'espère. Donc, on va aller checker de ce pas. Et on va mettre ça, voilà, tout simplement. Sachant que j'ai déjà le... comment on dit? La suite, hein, évidemment, du labyrinthe, vous vous en doutez. J'avais une chance sur deux. Évidemment, j'ai saisi la mauvaise. Alors, c'est toujours pas ici. C'était juste au-dessus. Eh, je l'oublie pas, moi, j'oublie rien. C'était ici, regardez. Allez. Régale-moi, je t'en supplie. Eh bien, écoutez... oh, Sugoi. J'ai été régalé. J'ai été régalé, on va voir ça très très vite avec, évidemment, ce qu'on peut y mettre, à savoir 4 joyaux. Et ben c'est plutôt pas trop dégueu, on retourne devant le vendeur. Ça c'est un petit aller-retour plutôt utile, je pense. Oh, toi tu dégages l'odeur du... alors pas vraiment, je me suis pas du tout battu mon frère. Waouh. Alors ça par contre ça va être embêtant. Certir, très bien. Il va me falloir du duo. Il va me falloir 2 duos. Et je parle pas du Pokémon. Combat, okay. Tu sais. Bienvenue. Alors, j'ai du nouveau rien que pour toi, mon ami. Très bien, si t'as du nouveau, ça m'intéresse. Waouh. Il y a certaines choses que l'argent n'achète pas. Il m'a fait un petit... incroyable. Ouais, on va attendre. Hey, psst. Tu ferais bien d'acheter quelque chose maintenant. On sait jamais ce qui pourrait se passer. Très très bon en plus, la doublure qu'ils ont pris évidemment pour jouer le vendeur. Honnêtement, c'est du tout bon. GG Capcom pour le coup. Regardez-moi ça les amis. Alors, c'est pas beau ça? Bien sûr que si, c'est beau. Attends, je peux venir là? Mais c'est incroyable. Eh oui, messieurs. C'est fou. Un petit trésor, je me disais depuis l'épisode précédent. Je me disais, faut vraiment qu'on fasse machine arrière. Il doit y avoir une petite dinguerie à mon avis. Allez, on est parti pour la suite. Oh, waouh, j'ai eu trop peur. Oh, comment ça, un spinel? Comment ça, mon frère, un spinel? Merci. C'est un bleu velours. C'est pas un spinel, excusez-moi. Je crois que c'est 2500, c'est plutôt pas si dégueulasse que ça. Ok. Là, la cour, on l'a sucé, si je peux me permettre les termes. Excusez-moi du peu. Mais enfin, ça, c'est du boulot très bien fait. Par contre, là où le doute... Ma bite, c'est que je ne sais pas où il faut mettre. Peut-être ici. Ben non, ça c'était... ok. Peut-être là-bas? Non. Peut-être... putain, c'était où déjà? Pour moi, c'est là-haut qu'il faut aller, mais enfin... ok. Pour moi... oh, waouh, on l'avait loupé, ça. C'est un sacré... comment on appelle ça? C'est un petit échauffouré, là, non? Ok. Ah, mais non. C'est par où, la tête de merde? Peut-être là-haut?
moi, c'est pas là-haut non plus, hein. Attendez, je crois qu'il y a, un truc qui m'échappe. Et là-haut, c'est bloqué. Il y a un truc qui m'échappe de zinzin. Où est cette... Là, vous croyez? Je comprends pas. Ah, peut-être là-haut? Ah ouais? C'est vrai qu'on n'est jamais allé là. Il y a peut-être un monde où il se passe quelque chose de beau. Ah. Ok. Ok. Ah, j'ai beaucoup de munitions de fusil. Très bien. Ok. Très bien. Ça commence à devenir un petit peu compliqué. C'est ici qu'il faut le mettre. Et là, y a rien, on est d'accord, hein, je suis pas fou. Hein. Ça me ferait chier de redescendre. Allez, on y va. Je pense qu'il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant. Direction le dernier ingrédient. Ok. On est toujours à la recherche de trois ingrédients, vous l'aurez compris. Deux saphirs. Je vais bientôt pouvoir faire une petite dingue. Prochain vendeur qu'on voit. Très bien. Très bien. Oh, l'ambiance, s'il vous plaît. Ok, donc là, Lyon est déjà passé par là. Et il repassera par ici. Il repassera par là. Très bien. Ce cri... C'est vrai, au fait. On a encore quelque chose à régler, tous les deux. Ouais, les amis, ça devient... tout devient extrêmement compliqué, je trouve. Pour se faire des petites places un peu à gauche, à droite. Ouais. C'est... je pense que je vais devoir le bouffer, ce poisson. Hein. Je vais devoir le bouffer. Hein. On a un trésor là-dessus. Allez, on y va. Désolée, pas encore. Mais mon charmant petit assistant cause une belle pagaille. Tout se passera comme prévu. Encore faut-il que tu gardes ton chien sous contrôle. Il est utile et prévisible. Bien, tu peux le garder. Mais ne viens pas pleurer si tu te fais mordre. Léon, t'as laissé tomber ? Ada ? J'imagine que non. Alors j'ai une info pour toi. Quelque chose d'important se prépare dans la salle du trône. Dur le babysitting, hein ? Ok. Donc vous l'aurez compris, c'est l'autre version qu'on a vue. En vrai, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller checker en bas ? Moi je pense que si, hein. Je pense que si. Parce qu'il y a un trésor, tout simple. Ok. J'étais persuadé que la suite n'était pas là. Et pourtant, tout est rempli de surprises. Oh, c'est pas vrai. Bon, les gars, je veux bien, mais. Attendez. Attendez. On va pas faire les rats parce que là ça commence à me gonfler. Ce poisson là de merde, j'en peux plus. Voilà, on est bon. Las Plagas, t'es où mon frère? Viens que je te règle. T'es mort toi? Il me fait trop peur, mais il est où? Oh le malin.
la faucheuse. Allez, on allait simple pour l'enfer. Il est Vlad, il va se faire un torticolis. Il est mort. Il a pas l'air mort. Hein. Si, mais il est mort au ralenti de fou. Ok. Petit trésor, ça je veux. Moi je suis. Bâtard. Ok, un petit couteau de botte, si je peux me permettre. Oh, j'adore. Un rubis. Ok. Par où passer? Je ne sais pas trop. Il y a plusieurs chemins, c'est ça? Je sais que là où il y a un trésor. Non, il n'est pas là le trésor. What the fuck? Et je regarde dans l'air, je sais pas à quoi je m'attendais. Non, bah attendez, moi je veux mon trésor, moi. Je veux mon trésor, ça va pas du tout ça. Cascade? Il est où? Ok. Oh ouais, c'est trop ça. Ça? Ok. Vas-y. J'aime bien. Oh, waouh. Là, ça commence à faire beaucoup là. Hein. Ok. Très très bien. Et là, on n'a plus rien. Eh ben oui, on n'a plus de trésor. Waouh, il y a un trésor en l'air. Attends, comment ça? Il est là-bas, dans le vide. C'est fou. Bien. On va fouiller quand même là-haut. Il n'y a rien, malheureusement. Ici. Ah! C'était évident. Ah oui, là, ça va être chiant. Bon. Par où on monte? Par là. Et ensuite, me semble-t-il qu'il faut aller à droite direct. Mais c'est vrai que ça, c'est relou, ça, j'y ai pas pensé. Et donc, par conséquent, on ne peut plus retourner en bas. Ok, très bien, why not? C'est peut-être en bas. Bah, on va fouiller ici quand même. Oh là, il y a beaucoup trop de mines, ça me fait peur. Ça me fait terriblement peur. Ok. Bon, l'arbalète prend plus de place qu'autre chose. On l'utilise pas tant que ça, en vrai. Mais bon, c'est pour faire plaisir à mon Audima. Ok. J'aime bien ça. J'aime bien. Oh! Je crois que c'est un des diamants qui coûte le plus cher, qui plus est. Doit être la salle de collection. Oh waouh! Ah. Un papillon bleu. Ah! Alors, note du préparateur. Le responsable de la collection est vraiment nul comme chef. C'est toujours moi qui me coltine les dissections. Quand il daigne venir ici, tout ce qu'il fait, c'est rester bouche bée devant ses spécimens favoris. Toujours dans le même ordre, avant de s'en aller. Je me demande bien ce qu'il trouve. Pourquoi s'attarder sur ces trois spécimens? Alors qu'on a ce papillon exceptionnel. Et ça se dit chercheur. Intéressant. Ah ouais, d'accord, ok. Une main ici. Donc une tête. Avril, 9 ans après mon réveil. J'ai reçu une demande écrite de Mendez. Il veut que je pardonne à ce domestique qui s'est bêtement enfui. Il n'a pas l'air de comprendre. Ce n'est pas une question de pardonner ou non. Seul compte ma noble quête, pour laquelle d'innombrables sacrifices sont nécessaires. C'est un honneur pour tous ceux qui vivent sur le territoire de notre maître. Et puis, éliminer ça de son corps est tout bonnement impossible maintenant.
Ma création injecte une partie d'elle-même dans sa proie, manipulant sa conscience et l'emprisonnant dans un cauchemar éveillé. L'autre peut toujours essayer de s'enfuir, il reste soumis à sa volonté. Le seul moyen d'échapper à ce tournant serait de la tuer afin que l'entité à l'intérieur de l'hôte meure à son tour. Après tout, cette entité est constituée de cellules différenciées incapables de survivre seules. Mais de toute façon, je ne connais personne qui soit assez fort pour tuer ma Pesanta. C'est bon à savoir. Ok, alors... Si on fait en ordre... Scarabée. Ok. Donc c'est toujours le même ordre. Alors, on est parti. Donc ça fait Scarabée. Voilà. Oh waouh. Ok, il a fait comme ça. Scarabée, tête. Scarabée, tête et. Lézard. Scarabée, tête, lézard. Là, on va. Scarabée. Tête. Pardon. Scarabée. Ah oui, d'accord. Merde. J'ai confondu. Allez. On est bon. On a les trois ingrédients. Let's go. Tiens, j'ai tout ce qu'il te faut. Bien. Et moi, j'ai exactement ce que tu veux. Ça, c'est pas bon. Le parasite réagit à l'ambre. C'est ça, l'ambre. Tout à fait le genre de truc que Wesker recherche. Ça va endormir le parasite. Du moins pour un temps. T'es prête? À tout salon. Oublie pas. C'est pas un remède. Va falloir virer cette chose de ton corps. Le parasite endormi, t'auras qu'à me redonner cette foutue pierre. Je peux pas te laisser. Pas dans cet état. T'en fais pas, ça ira. T'as une autre promesse à tenir. Ok, mais tu me rejoins. Dès que t'as fini. Bon! Lui va nous causer, je peux vous le dire, certains problèmes, je pense. Allez, une petite save, et on est parti pour la suite de notre aventure. Let's fucking go. Hop, 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 c'est pas cette arme que j'ai. Ça veut jouer l'énervé. Ils ont vraiment fait une sorte de Némésis un peu de Mister X.
Ok. Louis Salambre, je dois la rejoindre. Attends, je me dis, en vrai de vrai, les gars, il y a un monde où... Tu vois ? Il y a un monde où il y a une sorte de passage secret. Regarde. Si je vais là... Et que je vais là, c'est le mec qui comprend rien. Ouais. Ça marche, je crois. Attends, je suis teubé. Attendez, les gars, je suis teubé. C'était juste ouvert ici. Je pensais avoir découvert un raccourci de fou. Mais pas du tout, MDR. Ok, ça prend. Et ce trésor, je l'ai vu. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Voilà, bracelet de perles. Hâte de revoir le vendeur. Il va nous régaler celui-là, je le sens. Et oh, comme une maison. Y'a quoi là-bas? Y'a quoi là-bas? Je ne comprends pas. Où est la suite de notre aventure? Où est la suite de notre aventure? Pareil, y'a quoi là-bas? C'est incroyable, y'a trop de choses partout. Bon, on va jouer le jeu, on va suivre le chemin. C'est fermé. Fin du jeu. Les empreintes de Louis. Ah. Il est allé par là, on dirait. Ah. Il n'y a toujours rien à faire. Par contre. Ah. Un des cœurs. Ah. Ah, il y a beaucoup d'or. Mais je me dis. Ce serait si facile de suivre son chemin. Attendez. Mouere, mollo, mon frère. Ça brûle ? C'est normal. C'est du feu. Ok. Incroyable ça. Oh là là, oh la couronne. La couronne, c'est le plus gros des joyaux. Ça, les amis, c'est le truc à remplir. Ok, il y a quelque chose ici. Très bien. Et je crois aussi que... je vois. Attends. Où est le mécanisme? Je suis pas fou, je l'ai vu... Attendez, je l'ai vu en bas, non, aussi? Je l'ai pas vu en bas, là? Si, là. Ok. Là, il y a quoi, là? Très bien. On descend. Très, très bien. C'est ces instruments de torture, ça fait plaisir. Mot de Louis. Ada, j'espère que c'est toi qui lis ceci. Je vais descendre dans la mine pour essayer de retrouver Lyon. Si j'en crois ce qu'a dit Ramon, via les haut-parleurs du château, Lyon est là-dessous, et il risque d'avoir des ennuis. On peut y aller en passant par le canal. C'est dangereux et un peu labyrinthique. Mais je vais laisser des indices pour toi. Il connaît vraiment l'endroit comme sa poche. Comme c'est bizarre. Ok. Oh, waouh. Oh, waouh. C'est stylé. This way. Non, mais genre, c'est plus des indices, mon frère. C'est presque trop bizarre, les gars, là, non? Je me casse. On l'a jamais fait, cet endroit, en plus. Ok. Je me suis chié dessus, putain. Des nids?
Eh ben, ça promet pour la suite. Ah oui. Les petites merdes volantes, là. Oh putain, il y avait un accès en haut, je l'ai pas fait. Quand on y pense. Ça s'ouvre pas. Oh waouh. J'ai loupé quelque chose en haut. J'hésite à y retourner, mais je vais vous rendre fou, non? Waouh. Ok. Ouais. J'hésite. Oh, un rubis comme ça sur un mec. J'hésite vraiment à monter, les amis. Hein. Est-ce que c'est encore faisable? Je vais regarder au cas où. Ah bah non. Non. Oh, c'est mort. On a descendu. On a descendu la spirale infernale. Tant pis. Ça me fait chier quand même, mais tant pis. Oh waouh, du rubis en veux-tu en voilà. Ça c'est beau ça, attendez. Déjà, on va faire quelques petits remix. Et on ne peut pas faire de petits remix. Si, on peut faire un petit remix. Très bien. Ensuite. Très bien. Ensuite. Très bien. Ok. On va essayer de descendre ça. Putain, c'est pas vrai. C'est fermé. C'est pas vrai. Oh, le vendeur! Je sais pas, y a pas eu une phase de sniper ici, là? Splish, splash. Genre, faut nager? Pas question que je nage là-dedans. Ah. Il a bien raison. Waouh. Ils sont si sensibles. Oh, il y a des spinels. On aura une quête, les amis, pour la prochaine vidéo. J'aime bien. J'ai aperçu quelque chose d'énorme dans l'eau. Et qu'on ne me dise pas que j'ai rêvé. Je crois que les eaux du canal abritent un véritable monstre. Identifie cette bestiole et attrape-la pour moi. Waouh. Spinel 8 par contre. Oh, j'y vais. Hein. Bien sûr, hein. Ça on va le faire. J'ai reçu direct. Quelques nouveautés qui devraient t'intéresser. Chronique de la famille Salazar, le canal. On a longtemps oublié l'existence du canal sous le château. Les archives indiquent qu'il a été construit par le comte de la troisième génération, Gregorio l'architecte. On ignore la raison exacte de sa construction, mais il est possible qu'il a été réalisé dans le but de contenir les insectes mortels ayant jadis tourmenté son prédécesseur, le comte Hippolito. Après tout, l'eau est un symbole de pureté pour la famille Salazar. Le canal de Gregorio a été redécouvert lors de travaux d'excavation ordonnés par le comte Ramon de la 8e génération. Comme tous les ouvrages imaginés par Gregorio, il est à la fois élégant et ingénieux. Le comte a eu l'idée de ramener l'eau de la rivière vers le sous-sol afin de créer un système d'alimentation en eau et d'égout. L'endroit peut même faire office de réserve, voire lors des périodes de sécheresse. Cette construction est une véritable prouesse architecturale pour l'époque. Dommage que sa beauté soit gâchée par l'actuel châtelain. Cet idiot n'a que faire de ce lieu, et il n'y voit qu'un moyen de noyer ses opposants. Quelle insolence. Gregorio doit se retourner dans sa tombe. Oh. Et je crois que j'avais pas tout lu. Alors, bah écoutez, on fera la phase d'achat-revente un petit peu plus tard, n'est-ce pas? Et on va s'occuper du boss et des chemins. N'oubliez pas le j'aime. Bisous. À bientôt pour la suite de notre aventure. Soit demain. Bye bye tout le monde.